Bonjour à tous, c'est Melinda et j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme promis, je vais faire les 7 24 heures challenge. Donc c'est parti avec le premier qui sera manger rouge pendant 24 heures. J'espère qu'il va vous plaire et c'est parti. Donc je vais vous montrer tous les articles que j'ai achetés pour mon 24 heures. Donc on va commencer avec le premier. Il faut être à Stagada. Ça, j'adore, comme le nom. Des lacets. Bon, ça aussi, j'adore. Puis après, j'ai acheté de la confiture de fraises. Bon, d'habitude, ça, je déteste, mais là, c'est une spéciale sans morceaux. Donc normalement, j'ai terminé. Puis j'ai acheté des biscottes. Donc ça, j'ai jamais goûté, je ne sais pas si je vais aimer. Donc c'est avec des fruits rouges à l'intérieur, des framboises. Je sais pas trop, j'ai jamais goûté. Puis c'est un jus de fruits rouges. Bon, ça, j'aime bien. Après, c'est une soupe à la tomate avec des boulettes. Donc ça aussi, j'aime bien. Puis ça, c'est des pâtes rouges à la lentille. Donc, j'ai jamais goûté, mais les lentilles j'aime bien et les pâtes j'aime bien. Donc, normalement, je vais bien aimer. Puis, ici, il y a des haricots rouges. Bon, d'habitude, je goûte les haricots blancs. Ça, j'aime bien, mais les haricots rouges, j'ai jamais goûté. Donc, on va essayer. Puis, ici, il y a les poivrons. Donc, les poivrons, j'adore. Donc, j'aime bien. Puis il y a une mini pastèque. Bon, les pastèques, j'adore aussi. Puis il y a de l'eau à la fraise. Bon, ça, j'adore. Et puis en dernier, les fraises. Et ça aussi, j'aime. Donc, je vais déjà prendre ce que je vais utiliser pour mon petit déjeuner. Donc, il y aura les fraises. La confiture de fraises. Le jus et les brioches. Bon, ça, je sais que c'est pas vraiment rouge, mais vu que je vais mettre la confiture de fraises par-dessus, ce sera rouge. Donc voilà, je pense que ce sera tout. Donc voilà, il est 9h58. Et maintenant, on va préparer le petit déjeuner. On va passer par couper les fraises. J'espère que le petit déjeuner va être très bon. Parce que j'ai super faim. Allez, encore une dernière. Et voilà, pour les fraises, on va les mettre de côté. Maintenant, on va faire les petites biscottes. Il y a une ouverture facile ici. Voilà, j'ai réussi à ouvrir. Ah, voilà. Il y en a quand même beaucoup. On va dire qu'on va prendre plus. On va prendre la confiture. Donc, je pense que je vais peindre peut-être 2 ou 3, mais pas tout le paquet parce qu'il y a quand même beaucoup. J'espère que la confiture va être très bonne. Ça va, il n'est pas immense. Normalement, ça doit pas être. On va déjà commencer à en prendre deux parce que, et après on refera si j'en prends.
Et maintenant, on va faire le jus. Donc, on va commencer par les biscottes à la confiture. Ça va, elles sont super bonnes. Bon, les fraises, ça, j'aime bien. Et maintenant, le jus. Il est aussi super bon. Bon, je vais finir mon petit déjeuner et on se retrouve à 10h pour la collation. Donc voilà, il est 11h38. Et je vais prendre mon goûter. Donc il sera composé d'un jus vitel à la fraise et d'une pastèque. Donc tout d'abord, je vais verser mon jus. Bon, voilà, il est rose. Enfin, rose rouge. C'est un peu... C'est rouge très clair. Je pense que c'est la même couleur que la pastèque. Bon, voilà, je vais couper ma pastèque. Regardez, et voilà un cœur de pastèque rouge. Bon, maintenant, je vais déguster. C'est super bon. Le jus. C'est super bon. Là, je vais finir de goûter et après on passe au repas de midi. Donc voilà, il est 13h59 et je vais vous montrer ce que j'ai mis dans mon repas. Donc j'ai mis de la sauce tomate, du poivron, ma boisson vitale à la fraise et les pâtes aux lentilles. Et maintenant, je vais déguster. C'est super bon. Et ben, l'eau vitale, j'ai déjà bu pour la collation. Mais elle est toujours aussi bonne. Donc voilà, je vais terminer de manger et on se retrouve pour la collation. Donc voilà, il est exactement 15h59. Et c'est l'heure du goûter. Donc je vais déguster les bonbons avec ma soeur. Parce qu'elle devait absolument être là pour manger les bonbons. Hein, là, là. Donc il y a des fraises Tagada qui sont rouges. Et à la fraise. Et la lacette qui sont aussi rouges. Et à la fraise. On va les appeler les scoubides. Ouais, parce qu'on peut faire des scoubidous avec. Donc celui-là, on va le faire. D'abord, on goûte la fin. Donc, on va en manger que un ou deux parce qu'on va pas manger vider tout le paquet. Hein. Ah là là. Mmh. Ah, ça sent trop bon après. Tiens. Tu goûtes en première ou tu goûtes en première? Bon, on goûte en première. Ah, là, c'est bon. C'est bon. Ils sont valides, hein? Ouais. Et le cracker? Ouais. Bon. Ceux-là, ils sont grands, alors on va prendre que un. On va le couper en deux. Là, on va en prendre un chacun. Ouais, bien sûr, on va pas en prendre que un. En couper en deux, ça fait rien du tout, hein? En couper en deux. Les gouttes en l'air. T'as déjà tout mangé, toi? C'est bon? Oui, c'est très bon. C'est super bon. Bon, on va finir de manger et on va se retrouver pour le repas du soir. Oui. Ciao. Donc voilà, il est exactement 20h19. Et je vais manger le dîner. Donc il y a une soupe aux tomates, des haricots rouges et le saucisson. Bon, ça j'aime bien, la soupe aux tomates. Les haricots rouges, j'ai jamais goûté. Regardez, pas très appétissant quand même. Et puis le saucisson, bah j'ai jamais vu. Donc on va goûter d'abord les haricots rouges et si j'aime bien, je vais peut-être pas manger ma soupe et si j'aime pas, bah, je vais manger.
j'ai peur. C'est la même chose que les dragons blancs en fait. Ça change rien, c'est juste que ça bouge. C'est très bon. Je valide. Après le saucisson. C'est très bon. Bon, je vais finir de manger et on se retrouve demain matin. Donc voilà, il est exactement 8h09. Et je prends le petit déjeuner, donc c'est comme hier, les cracottes à la fraise, à la confiture de fraise et le jus de fraise. Enfin, le fruit rouge. C'est comme hier. T'aimes bien Lola? Donc voilà, le challenge est terminé. Donc j'ai mangé rouge pendant 24 heures. Mon plat que j'ai le moins aimé, c'était... Qu'est-ce que j'ai le moins aimé? Je pense que c'était... les haricots rouges. Enfin, j'ai bien aimé, mais c'est celui que j'ai moins aimé. Et celui que j'ai préféré, c'était... le petit déjeuner, je pense. Il est bon. Bien sûr. Et Lola, toi, c'est quoi que t'as préféré? Ça. Donc voilà, le challenge est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager, à liker, à activer la petite cloche pour recevoir une notification quand je sors une nouvelle vidéo. Et si ce n'est toujours pas fait, abonnez-vous. Bisous. Ciao.